Bonjour et bienvenue à vous qui êtes réunis ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous aurons ce matin une pensée spéciale et une prière pour les victimes du terrible attentat dans une mosquée de Québec qui s'est déroulé hier soir. Et la messe est offerte par Madame Kim Lacroix pour aux intentions de Romuald et Muriel Lacroix. S'approcher du Seigneur constitue un geste de foi. Demandons-lui de vaincre en nous les zones de résistance à l'amour. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, sur la puissance de la foi, que dire encore? Le temps me manquerait pour rappeler l'histoire de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Des femmes dont les enfants étaient morts les ont retrouvées ressuscitées. Mais certains autres ont été torturés et n'ont pas accepté la libération qui leur était proposée car ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. D'autres ont subi l'épreuve des moqueries et des coups de fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés en deux, massacrés à coups d'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de mouton ou de toisons de chèvre, manquant de tout, harcelés et maltraités. Mais en fait, c'est le monde qui n'était pas digne d'eux. Ils menaient une vie errante dans les déserts et les montagnes, dans les grottes et les cavernes de la terre. Et bien que, par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
faces du monde, ceux qui ont en toi leur refuge. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Béni soit le Seigneur, son amour a fait pour moi des merveilles. Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Et moi, dans mon trouble, je disais, je ne suis plus devant tes yeux. Pourtant, tu écoutais ma prière quand je criais vers toi. Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts et prenez courage, vous tous qui espérez dans le Seigneur. Alléluia. Visiter son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre rive, de l'autre côté de la mer de Galilée, dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, aussitôt un homme possédé d'un esprit impur s'avança depuis les tombes à sa rencontre. Il habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, on l'avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était parmi les tombeaux et sur les collines, à crier et à se blesser avec des pierres. Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Jésus lui disait en effet, « Esprit impur, sors de cet homme. » Et il lui demandait, « Quel est ton nom ?» L'homme lui dit, « Mon nom est Légion, car nous sommes beaucoup. » Et il suppliait Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du pays. Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa nourriture. Alors les esprits impurs supplièrent Jésus, « Envoie-nous vers ces porcs et nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer. Il y avait environ 2000 porcs et ils se noyaient dans la mer. Ceux qui les gardaient prirent la fuite. Ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens vinrent voir ce qui s'était passé. Ils arrivent près de Jésus,
il voit le possédé assis, habillé, revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l'histoire du possédé et ce qui était arrivé au port. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il n'y consentit pas, mais il lui dit, « Rentre à la maison auprès des tiens. Annonce-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » Alors l'homme s'en alla. Il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus avait fait pour lui, et tout le monde était dans l'admiration. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs de la foi, chers pèlerins, en réfléchissant sur la première lecture, il m'est venu en tête cette question. Qu'est-ce que croire aujourd'hui? À ce point de vue, notre monde a beaucoup changé en peu d'années. Le multiculturalisme nous met en contact avec des croyances différentes des nôtres. Nous avons pris conscience que notre foi n'est plus un choix collectif. Elle est bien plutôt la réponse personnelle à l'appel de Dieu. Nous avons redécouvert que croire nous incite à faire confiance sans tout comprendre. Croire est un acte d'abandon à Dieu qui se manifeste dans son Fils et qui se fait présent par son Esprit. Attendre des signes tangibles pour croire est une attitude vouée à l'échec, parce que seule la foi permet de voir les signes et non pas l'inverse. Voilà ce qu'ont saisi les personnages qui sont mentionnés dans la lettre aux Hébreux que nous avons écoutée en première lecture. Avec les forces qui étaient les leurs, les difficultés qu'ils ont eues à traverser, ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon en espérant la résurrection. Jésus, dans l'Évangile que nous venons d'écouter, franchit une nouvelle étape dans sa mission. Pour la première fois, il traverse les frontières de son pays. En effet, en mission avec les douze, Jésus se rend à l'étranger et rencontre un homme à l'esprit dérangé. Il aurait pu faire un détour pour l'éviter, mais il choisit d'intervenir en faveur de cet homme, en faveur du malheureux. En chassant les démons, Jésus rétablit l'unité et l'harmonie dans le cœur et dans le corps du possédé. Plein de reconnaissance, l'homme qui s'auto-mutilait et vivait dans les tombeaux désire maintenant faire partie du Christ, le suivre pour lui-même être en quelque sorte un apôtre, un disciple. Celui-ci lui suggère plutôt de rester dans son milieu pour être témoin de la liberté que procure l'Évangile. Comme société et surtout comme disciples du Christ, nous avons nous-mêmes à cœur d'agir avec miséricorde envers ceux et celles qui souffrent dans leur esprit et dans leur cœur. Plusieurs organismes se dévouent pour améliorer le sort de ces personnes. Ne nous lassons pas de les soutenir. C'est une manière à notre portée de chasser les démons et d'ouvrir des chemins de liberté. En terminant, je vous invite à vous joindre à la prière que je fais. Seigneur Jésus, donne-nous d'imiter nos ancêtres dans la foi dont nous parlait la lettre aux Hébreux.
lorsque nous sommes confrontés à l'indifférence et aux insultes des personnes autour de nous. Et comme toi, Jésus, donne-nous d'agir avec miséricorde avec notre entourage et surtout envers les souffrants. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Il nous délivre de tout péché et nous aime tendrement, même avec nos limites. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit-Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian Lépine, ses évêques auxiliaires Thomas, Alain, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Par la puissance de la foi, tournons-nous vers celui qui nous a aimés le premier et nous appelle ses enfants bien-aimés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le pain de la miséricorde, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux et celles qui ont reçu la force d'en haut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
témoigner de l'action du Seigneur qui sauve et redonne la dignité. Allez dans la paix du Christ. Amen.